Donc pour savoir si Gobelin est l'école qu'il vous faut, il y a trois questions à se poser. La première, c'est est-ce que Gobelin a une formation qui prépare au métier que je souhaite faire? La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les méthodes pédagogiques de Gobelin correspondent avec ma personnalité? Est-ce que le contexte d'apprentissage de Gobelin est le contexte dans lequel je vais apprendre le mieux? Donc pour être plus précise, il faut savoir que Gobelin est une école très encadrante. Les cours sont tous obligatoires. La présence à l'école est obligatoire, donc de 9h30 du matin jusqu'à 17h30 le soir. Il y a beaucoup de travail à faire en dehors des cours, donc ça demande un gros investissement. Il n'y a pas énormément de place pour l'expérimentation, en tout cas pour l'aspect expérimental. Donc ça peut être frustrant pour certains d'entre vous. Il se trouve que qu'en tout cas la plupart de l'apprentissage se fait par la pratique, donc il y a peu de cours théoriques. Donc là aussi, il faut que vous soyez en adéquation avec cette forme de pédagogie. Troisième question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les compétences qui me manquent et serais-je en mesure de les apprendre ici à Gobelin? Donc justement, à vous de voir, parce que si finalement toutes les compétences que propose Gobelin, en tout cas auxquelles Gobelin propose de vous amener, vous les avez déjà, vous n'avez peut-être pas un grand intérêt à faire cette école, parce que vous allez vous ennuyer. Et au moment du recrutement, nous sommes très attentifs à ça, c'est-à-dire que nous voulons recruter des jeunes qui vont profiter au maximum de cette école. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont entrer, au moment où ils vont sortir, il y aura une plus-value énorme en termes d'apprentissage. Donc posez-vous toutes ces questions et si jamais en fait la vraie raison pour laquelle vous voulez faire Gobelin, c'est d'avoir Gobelin sur votre CV, là, franchement, c'est pas une bonne raison. C'est pas la peine de postuler chez nous.